D'abord, je voudrais vous remercier en fait de nous avoir accueillis parmi vous tous. Je tiens à signaler en fait que chaque semaine, en tant que Gilets jaunes, nous nous faisons insulter. Nous sommes traités de fascistes, nous sommes traités d'antisémites. Et oui, être antisémite, enfin, quand on se fait traiter d'antisémite, c'est bel et bien une insulte. Donc nous, humainement parlant, ça nous blesse horriblement parce que, avant tout, nous tenons à défendre un petit peu un droit à l'égalité, un droit au respect. Et ça passe en fait notamment par une rémunération correcte. Il est normal qu'en France, les gens puissent vivre dignement de leur salaire, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, juifs ou non juifs. Et nous nous battons en fait pour qu'il y ait ce respect-là et cette reconnaissance de l'être humain avant tout. Il y a parmi nous des juifs dans les cortèges de gilets jaunes qui de plus en plus essaient d'être apparents en tant que juifs et en tant que gilets jaunes pour montrer que non, ils ne sont pas antisémites puisqu'ils sont juifs pour le coup. En France maintenant, il y a de plus en plus de misère. Les travailleurs deviennent en fait des misérables. Les gens qui veulent travailler deviennent des misérables. On ne peut plus vivre dignement, et vivre dignement, c'est pas seulement manger, c'est pas seulement avoir un toit sur la tête, c'est pouvoir se cultiver, c'est pouvoir en fait s'amuser. Et pour ça, il faut un salaire décent. Donc on se bat pour tout le monde, peu importe la couleur de peau, le genre, le sexe, la religion, l'origine. Donc voilà, on se bat pour tout le monde en fait avant tout.